Je crois qu'on a fait deux très belles entames de mi-temps où on a su donc marquer deux fois. On a la possibilité, alors qu'on était bien dans le jeu, de pouvoir marquer ce troisième but et sur certaines choses qu'on avait travaillées hier, que peut-être David avait vu. Et voilà, donc on n'a pas mis ce troisième but. Et puis sur un corner un petit peu mal tiré, un cafouillage, on prend un but, ça met un peu tout le monde dans le jus. Ça remet un petit peu malgré toute pression sur le match, tout en sachant qu'ils jouaient sur des ballons directs et des seconds ballons. Et il fallait rester serein. On a quand même eu l'occasion par Ali aussi de remarquer derrière. Et puis on gagne le match à la fin. Donc c'est important ce soir de pouvoir gagner. Ça a été très important pour nous de marquer vite. J'avais demandé au groupe d'essayer de prendre le match du bon bout et d'essayer de marquer le plus rapidement possible. Et puis on l'a fait en première et en deuxième. Après, j'ai toujours cette sensation de pouvoir marquer ce troisième but, de se créer des occasions. Et on n'a pas tué le match encore une fois. Mais pour autant, on avance, on gagne et c'est pas facile de gagner des matchs. Donc voilà, c'est je ne peux pas à un moment donné tout le temps, on en a parlé, on ne peut pas toujours tout bien faire. À un moment donné, voilà, il y a des choses qui se passent bien, il y a des choses qui se passent moins bien. Pour autant, le groupe avance, progresse. Il y a eu des très belles phases de jeu dans les ressorties de balles. Après, peut-être dans la finition, il nous manque encore certaines choses, mais malgré tout, on a mis deux buts ce soir. Je crois que j'avais besoin aussi de mettre un petit peu de changement sur des profils qui pouvaient notamment nous mettre des centres devant le but pour pouvoir. Alors on avait peut-être un petit peu moins de qualité de vitesse, mais par contre on avait de la qualité technique et des qualités de centre qui peut-être à un certain moment, j'ai trouvé sur certains matchs, nous faisaient défaut. Et en le remettant à son poste, dans un poste où il arrive sur un pas à pouvoir centrer, c'était toujours important pour nous d'avoir un joueur qui ait la capacité après de centrer et de mettre de la présence devant le but. Et ce soir, ça nous a réussi. Et aujourd'hui, on a besoin de tout le monde et puis on n'ira pas de toute façon avec un 11 type jusqu'à la fin. Donc ça permet aussi à certains joueurs de retrouver une certaine forme de confiance puisque Lenny n'était pas très très bien rentré la semaine dernière et puis ce soir il est titulaire et puis inversement, les deux sont rentrés ce soir à leur poste. Après, voilà, on avance et le plus important, comme j'ai dit au groupe, c'est la solidarité qu'il y a à l'intérieur du groupe. Et on aura besoin de tout le monde, et vous le savez, en plus c'est la semaine prochaine qu'on aura vraiment besoin de tout le monde.